Nous voici pour l'épisode 30 de Pokémon version éclat-pourpre à l'entrée de la route victoire après avoir capturé les oiseaux légendaires. Qui sont donc Articodin, Elector et Sulfura. Donc le Pokédex avance à grands pas, il me reste plus que 9 Pokémon légendaires à capturer et j'ai le Pokédex parfait. Alors, route victoire, cette grotte est sombre. Oui, elle est sombre. Voulez-vous l'éclairer? Par contre, je sais pas si je vais avoir besoin de la 16 cascade que j'ai trouvée dans le chenal. Est-ce que j'ai vraiment pas envie de la prendre à qui que ce soit, hein? Mais à mon avis, si on a eu cascade, c'est pas pour faire joli, c'est qu'on doit utiliser cascade probablement quelque part par là. C'est un gros rocher, mais vous pouvez le déplacer grâce au robot Android. Voulez-vous utiliser R2D2? Oui. C'est mieux. Attends, j'ai une idée. Nos, et hop, c'est bon. Éboulement. Ça fait de l'XP. Point d'exclamation de ta tronche. Es-tu aussi balèze que moi? Allez, commençons cette route victoire. Une grotte que personne n'a aimée, hein, d'ailleurs. Dodrio. Niveau 78 déjà, hein. Éboulement. C'est super efficace, même si c'est pas stabé. Level up. Florizarre. Non, on va le garder. On s'envole. Bomber, c'est raté. Vol stabé. C'est super efficace. 5000 XP. Oh, j'ai perdu. Je déteste perdre, spécialement contre des gamins. Bah oui, on joue toujours un gamin dans Pokémon. Obtiens CT5, elle contient dans Slam. Problème. Shiny. Bon, ça devrait être one-shot, Dracogriff. Quoique, Golem a une excellente défense, hein. Alors, j'espère qu'il va pas faire une... Eh, merde! Explosion. C'était ce que je craignais. Oh, il est pas west, c'est bon. J'adore ma dragonne. Ça résiste beaucoup mieux qu'un roucarnage. Résumé. J'ai pas beaucoup de défense, c'est mon point faible. Sac. Eh ben, va falloir la soigner tout ça. Allez, on va prendre du lait MME. Ou de l'eau fraîche. Non, lait MME aussi. Encore du lait MME et c'est bon, ça suffira. Donc maintenant je sais que les golems ne sont pas OS. Rouabam. Vol. One shot. Ma cogneur. Ah bah il faut que je m'entraîne, hein. De toute façon c'est prévu, pour la ligue Pokémon, tous mes Pokémon doivent être niveau 90. Obligatoire. Alors attends, il y a chemin de droite et chemin de gauche. Ah bien sûr il m'intimide. Il est même pas OS. Ok, point de non-retour ici. Enfin, sens unique je veux dire plutôt. Bon, on va entraîner ici le loquet en attendant de trouver notre chemin. Allez, one shot. Mistibule. Je fais quoi là? Ah oui, d'accord. Pousse-toi de là. Ce Pokémon sauvage vous snob. Allez. Niveau 86, plus 5 en attaque. Hein.
Mac cogneur. Je vais te cogner. Je suis en train de réfléchir. Bon, de toute façon, voilà, il se fait de l'XP en attendant. Au revoir. De toute façon, il faut que j'entraîne mes Pokémon. Donc, ça sera fait dans la... devant la caméra. Alors, il y a encore une échelle. J'ai jamais vu autant de bifurcations. Hein. Encore une échelle. Waouh. Il y a combien d'échelles, là? C'est la quatrième échelle que je vois, hein. Je mets qui là? Bon, il vaut mieux les fuir. Voilà. On va fuir les gros, les golems. Enfin, les golems plutôt. Bon, ben, on va prendre la dernière échelle. Hein. Ok. C'est quoi ça? Garde, désolé, à cause des récents agissements de la team Rocket, il est impossible de passer par là. Oula, c'est quoi ça? Wow! Point d'exclamation de très très loin dans ta tronche. La route de victoire est trop dure pour toi? Apparemment, c'est un vrai labyrinthe. Jongleur JB, à la casa. Oh, une drague griffe dans ta tronche. 4000 XP. On va changer de Pokémon parce qu'il a quand même bien XP lui. On va mettre qui? Allez, Istaranga, il prend du retard lui. Hop là. Psychothérapie. Parasect. Je fais quoi? Rayon signal. Oui. Un PV, génial. Métamorphe, prometteur dans ta tronche. Bon, il s'est métamorphosé, donc je suis. Psychothérapie. Eh ben, ils sont en forme les Pokémon sauvages là. Alors là, j'ai un petit problème technique. Je suis désavantagé par le type. Donc je switch. Ok. Le temps de cartographier cette route victoire. Ou une Pokéball. Niveau 84. Allez hop, suivant. C'était un, contient 3 points. Bon. Ouais, je suis immunisé en poison, c'est pas la peine de faire un crochet venin. Switch. Les Stélix, c'est trop dangereux. Ah, une Pokéball. Une Pokéball. Rappel Max. Oh, c'est gentil ça. Charmina. Allez. Quoique, point météore. Oh putain! Sac. Les meumeux. Non, hyper pot. Non, les meumeux, oui. Et une eau fraîche, allez. Ah, il m'a fait très mal avec son coup critique. Hein. Oh, victoire. Oh, encore une Pokéball. Défense spectre. Allez hop, XP, XP, XP. Je commence à manquer de psychothérapie là. Point d'exclamation dans ta tranche, c'est moi qui me le mets. C'est tout moi qui te le mets à toi. Un dresseur est toujours en cas d'adversaire plus puissant. Un combat est laissé par top dresseur Alexia. Mélodelf, type fée. Mais j'ai le type acier, donc tu vas te prendre un point météore dans ta tranche. Ça descend tout doucement les PV. Oh. Bon, c'est bon, il m'a énervé.
Oh putain. Eh oui, je l'aurais one shot hein, dans une version. Ouais, c'est bon, il m'a énervé. Stratopercute, c'est bon. Non. Stratopercute. Sac. Les meumeux. Eau fraîche. Je sais pas d'où il sort cette déflagration, mais bon. Il faut se battre souvent pour progresser. Trio Picker. Je tape sur quoi là? Bah rate ton attaque, bordel. Oui, il y a un juron qui a été poussé. Alors on est revenu au point de départ. Alors on va prendre cette échelle, hein, tout simplement. C'est quoi cette échelle là? Ah, oh, on peut encore descendre. Je l'ai fait ce dresseur là? Non. Surf. Niveau 85. Allez. Point d'exclamation de ta tronche. Seuls les élus peuvent passer. Un combat est lancé par Top Dresseur Lorenzo. Oula, Tyrannosif. Point météor. Boum. C'est super efficace. Oh, j'y crois pas. Ces dresseurs sont de la ligue Pokémon, fais attention. Donc là, je viens d'ici. Bon, je pense qu'il a mérité un LMME là. Sac. Les LMME. Ça coûte de l'argent, eh oui. C'est quoi cette erreur de mapping là? Excusez-moi. Rayon signal. Ouais, bon. Psychothérapie. Bon, bah, psycho, c'est beaucoup plus puissant que rayon signal. Va pas comprendre pourquoi. Ah, une Pokéball. Attends, je suis jamais passé par là. Ok, bon. Attends, je vais mettre une B quand même. B. Sac à B. B mes pots. Non. Psychothérapie. Je commence à manquer de PP. Pas de... Non. Attends, je vais juste prendre la Pokéball. Total soin. Il y a deux sorties dans cette grotte. Une qui mène à la route 21 et l'autre en marche victoire. Ah, donc c'est Ok, je suis où là? Ok, deux sorties. J'ai compris. Donc celle qui était bloquée, c'était la route 21. Merde. Bon, c'est pas grave. Allez, il faut que mon équipe XP là. Ouh, Shiny. Prométhéor. Dodo. Bismol. Je peux pas m'empêcher de capturer un chaîné. Et hop, notre transfert a été chassé. Non. Juste pour la collection. Alors. Alors là, il y a une énigme. Faut pousser les bons rochers. Oui. Allez, R2D2, pousse-moi ce rocher. Bon, et c'est bon. Bah oui, il m'a rendu fou. Bon, putain, il tank, ils sont cheatés les métamorphes là. Il tank comme possible. Allez, on passe. Hein, il a monté sa défense en plus. Il m'a fait un coup critique, j'ai l'impression.
Voilà, full vie. Allez. Wouh! J'ai le droit de te foutre un point escrime sur ta tranche hors écran. Allez, viens manger ta claque. Avec mon fouet. Intéressant, mais le type acier a l'avantage contre le type dragon. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Allez, on va l'intoxiquer. Oulala, oulala. Bon, on va switcher. Ok, il s'envole. Envole-toi, allez. Ouais, dès qu'ils ont des attaques super efficaces, je préfère switch tout de suite. Hein. Level up. Ici, ok, monte au niveau 87. Ben, je me suis pris une claque. Une claque aérienne, c'est le mot dire. Tu as le droit de parcourir la victoire. Hein. Bon, ben là, il y a besoin d'un peu de l'émeu. L'émeu pour toi. Et eau fraîche. Alors, le son a baissé, je sais pas pourquoi. Ah, ils sont pas ouest, ça c'est énervant. Psychothérapie. Alors, si je suis la logique, normalement, rayon signal. Merde, pas grave. La sortie doit être traînée. Ah mais c'est du l'autre sens. On va dire qu'il est bien entraîné, on va changer de Pokémon. Alors, allez, on va prendre lui. Là, il faut les entraîner à peu près pareil. Éboulement. C'est extrêmement efficace. Qu'est-ce que je peux faire là? Éboulement, il craint pas, il craint pas. Je préfère switch. C'est une attaque de type combat, c'est extrêmement efficace et. Oula. Non, je vais mettre Florizard en premier. Alors, ah bah là, je vais me régaler. C'est dur, alors. Tiens, je vois un rocher ici. Ah, mais c'est l'entrée là. Alors. Merde, pas dû faire ça, bon, pas grave. Je suis obligé de le vampigrainer parce que. Allez, XP Florizard parce que là t'es en retard. Vite. Allez hop, c'est bien. Je sais même pas pourquoi j'ai fait en poudre de dos. Oh putain! Je regarde un coup. Ouais. Bon, on va m'emmerder sur un Pokémon sauvage. Tu as l'air de savoir te battre. Je vais en avoir le cœur net. Dodo. Ok, mort. Bah non, je reste sur lui. Hein. Coup critique. Allez, c'est bon. Tengalis, je switch. C'est bon, j'ai compris. Sinon switch, hein, c'est. Alors, j'étais pas passé où là. Alors, il faut que je descende là. Voilà, faut que j'aille au sous-sol, parce que la sortie est sûrement au sous-sol. Pour l'excavation de ta tranche, j'ai entendu parler de quelqu'un de très doué. Oula, il y a une grosse équipe lui. Bomberk.
C'est super efficace. Non. Au revoir. Funard va changer. Oui. Je m'en fous, je suis immunisé à la brûlure. Coup critique. Sablé, on va changer. Celui qui est en retard, oui. Coup critique. Il m'a rendu fou, mais ça passe. C'était vrai. Alors, c'était vrai, tu as bien battu Giovanni de la Team Rocket. Pas encore. En fait, comme il récupère les dialogues de la version originale, donc rouge-feu, et ben ça peut faire quelques incohérences. Ah, bah voilà, là voilà la sortie. C'était bien par là qu'il fallait passer. Alors, Charmina sauvage appareil. Oh putain, oulala, ça va faire mal. Donc l'attaque elle a 200 de puissance avec un PV. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre. Non, on va garder ces deux-là en premier. Alors on sauvegarde parce qu'il y a un combat à 2 contre 2 à faire. Tira, nous allons devenir champions ensemble. Et c'est moi qui te mets le point d'exclamation dans votre tronche à vous deux. Un combat à duo est lancé par couple cool. Roméo et Tira, il fallait dire Roméo et Juliette. Alors. Ok, qu'est-ce qu'on va. Comment on va gérer tout ça? Type assez, je crains pas trop. Alors on va essayer de l'endormir lui. On va jouer strat. Et lui un petit casse-brique. Ok, abri. Quoique je. Bon, heureusement que j'ai pas fait casse-brique sur Galekin. L'euphorie, le sac à PV. Coup critique, c'est super efficace. La tempête de sable fait rage. Florizard se fait secouer. Bon, on va faire giga sensu. Et là, bah, casse-brique parce que c'est extrêmement efficace. Cette roche est trop riche en fer. Mais j'arrive quand même à mettre mes racines avec un coup critique. Full vie presque. Kaluki! Et KO. Vous avez battu couple cool, c'est cool. Roméo et Juliette. Oh mais! Roméo et Juliette. Grâce à toi, j'ai enfin compris que la puissance seule ne suffit pas. Tu nous as battu, j'étais pourtant sûr de moi. Allez, RDD2, va pousser ce rocher. Grâce au robot, avec Smiley souriant, vous pouvez désormais déplacer les rochers. Oh, la musique du Conseil des 4. Entrée de la route victoire. Conseil des 4, tout. J'adore cette musique. Carte. Marche victoire. Et donc c'est la route 21 où en gros il y a le endgame, il est là. Ouais, tout simplement. Route victoire, conseil des 4. Bon, c'est un peu labyrinthique là. On sait jamais s'il y a un petit truc caché dedans. Bon, en fait, la route victoire n'était pas aussi longue que ça. Alors, si vous vous souvenez dans le désert. Ah merde! Et le mauvais, attends. Je l'avais complètement oublié lui. Anarion, tiens encore toi. Silver, tu peux faire demi-tour. Après c'est la ligue, c'est pas de ton niveau. Minable. Ça c'est la signature de Régis. Toi par contre t'as l'air. Tu l'as évidemment. Tu vas la prendre tes dépens. J'avais oublié cette petite parenthèse. Bon ça va, je suis pas trop amoché hein. Un combat lancé par Dresseur Silver. Ours et. Avec un réunion centre. Alors, il me semble qu'il a matinale comme capacité spéciale. Donc je vais vendre pigrené. Ouah, surpuissance.
mais ce n'est pas très efficace. Allez, Bomber. C'est un peu plus puissant que la Giga Censure. Ah, Facette, ça fait un peu plus mal. Ah bah sur Guérison, c'est plus marrant. Mais de toute manière, il est vampigrené. Alligator. Je comme Switch, juste pour le plaisir de Switch. Et apparemment, il n'y a que lui qui a l'avantage contre Alligator. Hein. Bon, et tant pis, on va le garder. Alligator volé au professeur Seco, si j'ai bonne mémoire. À bourre en vol. Enfin, quand il était Kaiminus. Un peu mieux, génial. Ce n'est pas très efficace. Bon, vu qu'il n'est pas OS avec la Giga Censure, on va rajouter une Vampirelle. Voilà, non il est KO. Démolos, là on va switch. Stratopercute. C'est super efficace. Nidoking, on va switch quand même. Voilà, on va mettre lui parce qu'il a du retard. One shot. Ectoplasma. Bon, non, on va le garder. Hein. Surtout que j'ai l'avantage par le type. Bah oui, bah. En plus une attaque de type psy qui marche sur un Pokémon de ténèbres, on comprendra jamais ça. Hein. Bon, dans le pire des cas, il y a la tempête de sable. Oh bah du coup je vais switch. Hein. Ça n'affecte pas Staranga. Il se fait onwaid. Ballon, c'est bon, une attaque fait du dégât. Oh, il fait mal. Maintenant, il se prend sa psychothérapie. C'est super efficace.
Vous avez battu Dresseur Silver. Bip. Pourquoi j'ai perdu cette fois? Il a poussé un giron. Silver, tu sais quoi, merde. Ouais, c'est presque un giron, hein. J'ai un compte à régler avec la Team Rocket, alors arrête de me tourner dans leurs affaires. Tu crois être le seul à qui ils doivent des comptes? Et puis, tu leur veux quoi exactement? Ça te regarde pas. Ça t'en est pas dans les pattes, c'est tout. Je me tire. Ah, il s'est pas téléporté. Donc, je disais, avant de faire interrompre par ce petit combat sympathique, dans le désert, vous savez, la chasse au trésor, là, blablabla. Et ben, le dernier indice était en flamme de la victoire, vous trouverez le cinquième indice. Et ben, c'est ça, les flammes de la victoire. Félicitations, vous avez trouvé le dernier indice. Pour parvenir jusqu'à votre récompense, allez à Bourrivière, traversez le ruisseau et fouillez au niveau du tronc du petit arbre à l'ouest. Alors, attends, je vais sauvegarder un coup. C'est quoi, c'était à la caserne, hein? Je téléporte des gens grâce à mon gars quand il y a des heures, mais pour l'instant il est un peu fatigué, je te laisse donc se reposer. Ça doit servir à quelque chose. Ouh, une Pokéball. Trouve Roche Royale. Tout conseil des quatre, tout. Il n'y a pas un petit passage caché là, non. Bon, on va rentrer dedans pour valider la localité et on va aller chercher cet indice. Ouh, une musique d'arène. Tu devrais prévoir des objets si tu penses affronter la Ligue. J'espère que tu es prêt à en découdre. La Ligue Pokémon est extrêmement forte. Bon, on va sonner les Pokémon quand même. Avec une musique d'arène. J'aurais dû laisser la musique du conseil des 4. Les membres de la Ligue sont tous spécialisés dans un domaine qui sont la vitesse, la défense, les PV et l'attaque. C'est original. Putain, c'est marrant, quand j'ai passé la route victoire, j'ai même pas été contrôlé si j'avais mes badges. Tu vas tenter de battre à la Ligue, accroche-toi, cette Ligue Pokémon est bien différente de celle des autres régions. Ouais, normalement il faut contrôler les badges, c'est-à-dire n'importe qui arrive là, il peut pas affronter la Ligue. Bonjour, puis-je vous aider? Ah, j'ai pas beaucoup d'argent. Bon, j'irai farmer un petit peu d'argent hors caméra. Alors, qu'est-ce que tu vends comme c'était? Blizzard. Oh, il y a une bonne CT là. Ah bah oui, bon, il faudra que j'aille fermer de l'argent. Déflagration. Point de feu, j'ai déjà. Point éclair, regarde. Voilà, j'aime bien collectionner toutes les CT. Parfait, juste l'argent qu'il faut. Allez, ok. Alors, on va pas faire la Ligue. Non, pas encore. Donc, on va à Bourrivière. Musique du con, c'est des 4. Alors, je dirais entraîner tous mes Pokémon au niveau 90. Parce que c'est le niveau de la Ligue Pokémon en mode difficile. Alors, Bourrivière. Non, pas ici. J'ai pas envie de me taper des psychocoques niveau 9 dans l'eau. Là, alors je sais plus quel arbre c'était. Si tu as obtenu ticket aura. Dans poche rare. Il est où le ticket là? Un ticket de ferry pour une île lointaine dans le sud. Le ticket requis pour aller sur l'île Aura, hybride d'une belle lumière. Donc ça sert pour des Pokémon légendaires tout ça. Et puisqu'il parlait d'acheter des objets de soins. Non, pas perche arbre, merde. Je me suis trompé de ville. Petit prêt. Je vais aller. Attends, c'est pas par là. Je vais aller à mon vendeur préféré d'objets de soins, le Lémeumeu. Meilleur rapport qualité-prix avec l'eau fraîche pour soigner les Pokémon. Bonjour, allez, blablabla, oui, allez. Allez, on achète le maximum. Et voilà, je suis officiellement Clodo. Alors j'en ai combien d'objets de soins là? 19, donc ça doit suffire. Ça suffit largement, je pense. Et les B pour tout ce qui est statue. Ouais, ça m'a l'air bien. Pokémon. Non, je sais plus ce que je vais faire. Un Arion. Tous les badges. 377 Pokédex. 191 Poké Freak. Et une étoile seulement.
Bon, bah, on va revenir s'envoler à la route victoire et hors caméra, donc un petit peu d'entraînement. Et nous irons après faire la Ligue Pokémon. Marche victoire. Non, on va se regarder là. Donc, merci d'avoir regardé ce 30e épisode. Et je vous dis à bientôt pour le challenge ultime.